Bonjour mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Hearthstone et aujourd'hui je vais vous présenter un druide aggro avec le Fellriver qui peut toujours être rigolo à jouer. On est en début de saison donc je suis contre un chasseur, bref c'est classique hein, on va dire. Qu'est-ce que l'on veut voir dans notre druide aggro en début de partie? On aurait préféré des racines vivantes, on aurait préféré un jongleur de couteau ou l'aspirante de Darnassus. Bref, une ombre en Naxxramas aurait pu être pas mal aussi. Donc le problème, c'est que j'ai une main de merde, clairement. Je vais quand même garder une druidesse du sabre. Même si c'est vraiment pas la carte que j'aurais aimé voir. Ça peut toujours être utile pour faire quelque chose. Ok, au moins il y a une aspirante de Darnassus, même si on n'a pas la pièce. Et force de la nature, qui peut toujours arriver. Ça me ferait 3 points de mana, ça pourrait être utile. Pourquoi? Parce que si j'avais 3 points de mana là, ça veut dire qu'au prochain tour, j'aurai encore 3 points de mana. Est-ce que c'est vraiment utile de claquer une innerve là-dessus? Non. On va décider que non. Et au prochain tour, je pourrais poser mes deux cartes, si tel est mon bon plaisir. Ok. D'accord, un balayage qui arrive, qui pourrait être pas mal. On va faire comme c'était prévu. Hop, une petite panthère camouflée. J'aurais pu la mettre en charge et tuer ça. Hein. Pour le moment, on va quand même, vu qu'on dépense pas mal de cartes. Ce qu'il faut, c'est que la 2-3 reste en vie. Il va venir face, ce qui est très bon pour nous. Ok, j'ai 4 points de mana. Ah, sortir l'onde de Naxxramas aurait pu être intéressant. Mais ici, on va plutôt régler le problème de son board. Et continuer à aller tête. Et mine de rien, bon bah pour un deck aggro, j'ai déjà fait 7 points de dégâts. On est au tour 3, hein, même si j'ai 4 points de mana, je rappelle. Donc le but, effectivement, ça va être de le descendre à 14 points de vie le plus vite possible. Et ensuite de le finir avec force de la nature et rugissement sauvage. Un élect du roi, il va perdre, il va gagner, on ne sait pas. Il va perdre, parce que j'ai le saccageur gangréné. Bon, il m'aura au moins servi à ça. Donc là, maintenant, il sait pertinemment que je suis un aggro. Hein. Ok, il va sûrement tuer ma 2-2. Voilà. Et il va rien faire d'autre. Donc j'ai perdu un point de mana, ce qui est plutôt embêtant. On va tuer sa 4-2, pardon, parce qu'elle peut être embêtante. Et continuer à aller tête. Mine de rien, il me reste plus que 4 points de dégâts à lui faire. Et 5 tours à survivre. Ce qui n'est pas encore gagné. Il me met pas de piège, donc ça me va pour le moment. Il va venir se reprendre 3 points de dégâts. Hop là, donc il est à 15. Il ne me reste plus qu'un point de dégâts à 8 fer, mine de rien. Une deuxième force de la nature qui pop. Hop, on va contrôler un peu. Hop, on le fait enfin passer au 14. Les fameux 14. J'ai 2 forces de la nature, donc je pourrais même en claquer une à l'arrache au prochain tour. Ce qui pourrait déjà faire pas mal de points de dégâts. Un chevaucheur, ok. Il va aller visage. Il essaie de faire la course quand même avec moi. Ok, pourquoi pas. Je sais pas si t'as vu que t'étais un peu dans la merde pour le moment. Mais bon, admettons. Druide de la griffe qui aurait pu être utile. Mais ici, je vais vraiment la jouer bourrin. Hop. On fait ça. On met tout dans sa face. Et mine de rien, il est à 5 points de vie. Il doit gérer mon board. Ou me faire 23 points de dégâts, 23 points de dégâts au tour 6, ça me semble un peu peu probable. Et derrière, moi, je pourrais faire, j'aurais 7 points de mana, je pourrais faire druide de la griffe, ou même pas, je fais une force de la nature et puis il est mort, quoi. Même s'il me vide la table, c'est pas bien grave. Ok, ordre de tuer, il va vider ma table, hein, mine de rien, il se défend, le petit. Là, j'ai tellement de façons de le tuer que je pourrais faire balayage et mon pouvoir, je pourrais faire une deuxième force de la nature. Mais on va dire que c'est du top deck pour l'embêter un peu et pour le faire rager. Et voilà. Au revoir le hunt. Parce que mine de rien, bah les hunt aggro qui se font prendre par un druide, c'est quand même plutôt rare. Ok. Ok, nickel. Je fais des quêtes en plus au passage. Donc voilà. Donc je vais vous présenter hop, la liste de cartes quand même. Donc. Ce druide aggro qui est vraiment très très aggro comme vous avez pu le voir, qui peut aller très très vite.
Et constitué de quoi? De deux inerfs pour s'accélérer, de racines vivantes pour poser du board au premier tour, gnome lépreux pareil, Sir Finlay pareil, en plus c'est une 1-3. Vous avez beaucoup de cartes pour vous accélérer comme les aspirantes de Darnassus ou les innervations. Vous avez les druidesses du sabre qui peuvent être jouées en charge ou en fufu pour avoir deux points de vie supplémentaires et un petit point d'attaque aussi supplémentaire, ça fait pas de mal. Un jongleur de couteau qui peut vous servir pour nettoyer les bornes légers entre guillemets en points de vie, mais qui peuvent vous embêter. Ça marche très bien aussi avec un balayage par exemple. Les deux rugissements sauvages qui marchent très très bien avec les forces de la nature, ou tout simplement si vous avez trois créatures sur le board, hein, ça marche aussi bien. Ombre d'un axe ramasse pour faire de la pression, et si vous arrivez à le faire survivre un peu, qui peut faire très très mal rapidement. Deux balayages pour clean le board, se débarrasser des gros taunts, ou simplement faire 4 points de dégâts, hein, parce que là on a vu que dans la partie précédente. Mine de rien, les deux balayages m'ont permis de faire 8 points de dégâts au héros adverse. Ça fait pratiquement un tiers de sa vie, rien qu'avec des balayages. En plus, ça m'a permis de contrer son board. Deux déchiqueteurs pilotés parce que c'est bien, parce que ça rip-up et parce que ça tape quand même assez fort. Deux gardiens du bosquet, soit pour faire des silences sur ses taunts, soit comme vous l'avez vu, pour tuer des créatures à deux points de vie qui vous embêtent. Deux druides de la griffe en charge ou en taunt, si vous avez besoin de vous protéger au dernier moment, sait-on jamais. Saccageur gangréné qui est très violent, parce qu'une 8-8 au tour 5, ça peut vraiment tuer votre adversaire très vite. Mais qui a une grosse contrepartie, c'est qu'à chaque fois que votre adversaire joue une carte, ça retire 3 cartes du dessus de votre deck. Carte qui peut être remplacée facilement en plus, mais bon, on reviendra là-dessus plus tard. Deux forces de la nature et Docteur Boom. Bien sûr, on garde en tête que bientôt il y aura un update avec la nouvelle extension et que dans le nouveau ladder, on pourra plus servir du saccageur gangréné, on pourra plus servir de boom, mais on voit que le deck, mine de rien, pourra tenir le choc sans ces cartes-là. Il suffira de remplacer avec les nouvelles cartes. Hein. Je me suis pas spoilé, je ne connais absolument pas les nouvelles cartes, donc je ne sais pas par quoi on pourra les remplacer, mais il y aura potentiellement bien deux tours 5 et un tour 7 que l'on pourra remplacer dans ce deck druide aggro pour pouvoir faire un deck bah, toujours aussi agressif et qui foncera dans le tas. Même si je le regrette, c'est vrai qu'Hearthstone est en train de tourner énormément au deck aggro et rapide. Bref, en tout cas, j'espère que cette présentation du druide aggro vous aura plu. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une présentation de deck ou pour une vidéo sur un autre jeu. Bye bye, mes petits amis YouTube! Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir, et ça encourage surtout à continuer, tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.